Bonsoir. Coup de flingue, un peu sonné, je tombais du lit. C'est comme ça toutes les nuits, depuis que t'as disparu de ma vie. Sur les toits de Paris, c'est là que je finis mes nuits. Du lundi au dimanche, mise à nu, mes jours sont des nuits blanches. Mise à nu, là dans le désert de nos amours. J'ai marché des heures, j'ai rien vu malgré mes prières. Quelques vautours venus là par erreur. Face au vent, j'ai si peur. Depuis que t'as déserté ma vie, je ressens la terreur. Je ne sais plus très bien qui je suis. Du lundi au dimanche, mise à nu, mes jours sont des nuits blanches. Les avions sont passés sans me voir. À l'horizon, le ciel est noir. Quand les histoires se terminent mal et qu'on les ramasse, y a des silences et des souvenirs qui laissent des traces. De l'hiver, une histoire qui s'efface. Doucement, je remplis l'espace. Quand je vois la mer, je ne bois plus la tasse. C'est comme ça que j'oublie que c'est toi qui m'as volé ma vie. Quelquefois, je m'ennuie, alors je vais danser sous la pluie. Du lundi au dimanche, mise à nu, mes jours sont des nuits blanches. J'ai eu la chance de vivre un grand bouleversement dans ma vie, celui de faire un album qui a conquis le public, qui m'a permis de vivre ma passion et de ma passion. J'ai fait des centaines de concerts, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein d'artistes. Mes parents se sont longtemps demandé ce qu'ils allaient faire de moi, et quand ils ont vu que je faisais ce qui me plaisait et que ça marchait, ça les a rassurés. J'ai rencontré Jean-Louis Foulquier, une grande figure des médias musicaux en France. Et pendant une interview, il m'a présentée comme la petite fille de Barbara. Alors évidemment, Barbara, c'est la grande dame de la chanson française. Et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour son travail. Mais pour autant, je ne me reconnais pas dans sa musique, ni dans la chanson française en général. J'en ai écouté, bien sûr. Mais j'ai aussi écouté plein d'autres choses, du jazz, du rock, de la soul, de la musique africaine. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est « Je n'écoute pas de chansons françaises, mais ton album, oui. » Et ça m'est arrivé, même venant d'artistes faisant de l'électro. C'est ça qui me plaît dans l'art en général, c'est quand les artistes dépassent leur style. Par exemple, NTM, c'est un groupe de rap. Ils sont arrivés à un stade de leur création où ils ont agrandi leur spectre. Ils ont dépassé leur code. Et à la fin, tout le monde écoutait sans plus se soucier de l'étiquette. Et justement, l'étiquette, c'est quelque chose dont je commençais à me sentir prisonnière. J'avais posé mes bases, j'avais eu de la reconnaissance, et évidemment, c'est très gratifiant. Et je commençais à sentir une pression de la part des médias et du public pour continuer ce grand héritage de la chanson française. Et j'ai commencé à m'inquiéter
pour mes futures créations. Je voulais pas qu'on me dise « refais pareil », parce que je pense que j'en aurais pas été capable. Et j'avais déjà envie d'aller ailleurs. Donc délibérément, sur mon deuxième album, j'ai pas vraiment été là où on m'attendait. J'ai exploré d'autres climats sonores, d'autres instrumentations, avec par exemple des saxophones, des instruments plus exotiques, comme le gamelan, d'origine indonésienne. Et mon besoin était plus de musique, moins de mots. Alors une partie de mon public n'est pas rentrée dans cet univers, mais depuis quelques années, des gens me disent qu'ils réécoutent cet album et qu'il leur plaît beaucoup. Ma méthode pour écrire des chansons, c'est que je n'ai pas de méthode. La plupart du temps, je ne sais pas sur quelle tonalité j'évolue, mais tout simplement quand ça plaît à mon oreille, je garde. Alors j'ai composé des mélodies plus vaporeuses, comme sur ce morceau qui s'appelle Valparaiso. Évidemment, cet album, on pouvait se dire que c'était comme un laboratoire où j'essayais des choses. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur la communion avec le public. Et vraiment, le pont, c'est les paroles et la voix. Et là, sans doute, il y avait peut-être trop de choses qui faisaient écran. J'ai quand même fait une belle tournée avec cet album. Je suis même partie au Japon. Et ça, c'est parfait, parce que j'adore voyager. Un jour, j'ai découvert un film qui s'appelle Orfeo Negro. Et dans ce film, on entend cette chanson, Mania des Carnavals. J'ai eu un coup de cœur tout de suite et j'ai mis dans un coin de ma tête l'idée d'en faire une reprise, de faire un album de bossa un jour. Un jour, je l'ai fait. Alors évidemment, je ne me prétends pas du tout chanteuse de bossa. Je me suis aventurée sur un territoire que je ne connaissais pas. Mais j'avais très envie de me frotter à ces mélodies qui sont vraiment magnifique et très exigeante. J'ai adoré être seulement interprète et porter les mots de Nougaro, de Pierre Barou, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer sur scène. Vous savez, Pierre Barou, c'est lui qui a composé la musique du film Un homme et une femme, avec le fameux Shabadabada, Shabadabada. Voilà, Pierre Barou est avec nous. Mais par-dessus tout, j'ai adoré interpréter un morceau de Nino Ferrer qui s'appelle La Rua Madureira.
n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas pourtant, je n'y suis jamais allée. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Que j'avais chabadébadé et rouamadouréré, qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je suis devenue quelque chose que je pensais jamais être, une entrepreneuse. J'ai monté mon label et contrairement au titre de mon album « Ne rien faire », j'ai pas rien fait du tout. Si je devais résumer cette période, ce serait comme si j'apprenais à danser sur du verglas. Donc vous voyez. Mais vraiment, j'avais envie d'être en possession de mon travail. Le moteur de cet album, ça a été un morceau très important pour moi, que j'ai écrit en hommage à ma mère, et qui s'appelle « Tu es partout ». Je te disais, je me sens à côté de la plaque. Alors tu me répondais, mais voyons ma chérie, y a pas de plaque. Tu es, depuis que tu es partie, tu es partout. Tu es, depuis que tu es partie, tu es partout. J'apprends cette leçon de la vie et je la prends en beauté comme une claque. Cette peine fait tant de désordre. Je ne sais où la ranger, y a pas de planque. Tu es, depuis que tu es parti, tu es partout. Tu es, depuis que tu es parti, tu es. En beauté comme une claque. Diamant, tu continues de briller, de m'irradier en secret. Tu es, depuis que tu es parti, tu es
partout. Alors aujourd'hui, ma musique évolue entre chansons et pop urbaine. Donc comme je l'ai dit, je ne revendique pas spécialement de faire de la chanson française absolument. Je revendique les paradoxes. Je revendique d'aller vers des sons plus actuels en les intégrant à mes compositions. Je me fais confiance en me disant qu'à partir du moment où l'air, la mélodie viennent de moi, ça reste du Pauline Croze, quoi qu'il arrive. Donc mon moteur, c'est de me surprendre. Même dans les textes, je suis partie chercher ailleurs. Je me suis scannée, évidemment, mais j'ai aussi voulu scanner mon environnement. Par exemple, en parlant de personnages du paysage médiatique, comme Kim Jong-un. Avec ce personnage, j'ai réussi à explorer un ton décalé en même temps profond. J'ai aussi abordé des faits d'actualité, en parlant des phobies et des philies, parce que ça permet pour moi de faire le meilleur portrait robot de notre société. En résumé, j'adore partir et ne pas savoir où je vais arriver. Donc je suis très curieuse de savoir ce qui m'attend et si le public va me suivre. Et voilà le monde est phobe, j'entends le combat de fauve. Je creuse un trou dans la terre molle, plante mes conserves de love. Et voilà le monde est file, excité comme une pile, brûlant d'envie avec ardeur, pour oublier ce qui nous fait peur. Et voilà le monde est snob, où tu adhères et tu fais bloc. Pas de nuance et plus de gris, pas de bémol, rien que du bruit. Putain, la planète est folle, des forêts brûlées, on somnole, en regardant cramer la faune sur nos écrans de téléphone. Si je suis file, j'adore le son, j'aime le style. J'aime le pain mais pas la mie. J'aime le vin mais pas la lie. Et moi aussi je suis phobe, peur des sirènes et des cyclopes. Des jours sans fin où l'horizon s'arrête au bout de mon balcon. Attiré par l'odeur des routes, on me dit folle mais j'ai des doutes. J'ai des pulsions et des manies, des répulsions, des empathies. Soit tu es fil, soit tu te casses. Tu joues ta vie à fil ou passe. Où l'on t'efface et l'on t'épie, à coups de rasoir sur le fil.